Allez, bonjour tout le monde. 30 secondes de vidéo juste pour vous montrer le danger que ça peut représenter pour les guêpes germaniques. Ah, on est au niveau de deux fenêtres qui donnent sur des pièces de vie de la maison, sur une maison sur la commune de Malemort. Je dirai pas plus sur l'adresse de la maison. Je viens juste de commencer le traitement. Et là, ce que vous voyez, donc on est en début de saison, hein, on est au mois de tout début juillet. Et en fait, les guêpes se sont installées dans la cloison de la maison. Donc les gens entendent gratter à l'intérieur, entendent du bruit. Et si on laisse faire, bon là, vous voyez, c'est une toute petite partie du nombre de guêpes qu'il peut y avoir dans ce genre de nid. Et là, on est clairement sur des nids qui, en fait, se mettent dans les cloisons en placo. Vous grattez le placo. Jour comme nuit, jusqu'à des fois arriver au point d'ouvrir le placo, et donc vous avez des centaines voire des milliers de guêpes qui s'introduisent dans la maison puisqu'elles sont attirées par la lumière. Donc une piqûre de guêpe pour les personnes non allergiques, on va dire que c'est pas très dangereux et ça fait mal, mais c'est pas très dangereux. Par contre, ce qui est dangereux avec cette espèce là, c'est le nombre de guêpes que vous pouvez avoir dans un nid. Donc là, vous voyez, j'ai commencé juste le traitement, j'ai envoyé un peu de produit par le point d'entrée. Et vous voyez que ça grouille. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ça grouille littéralement. Donc, encore une fois, là, les gens, ils ont été alertés par quoi? Mais par le bruit, mais surtout à l'extérieur, par l'aller-retour d'insectes à partir d'un point fixe. Et ici, le point fixe, c'était l'angle des menuiseries. Et je vous rajoute en bonus, deux petites images de la caméra thermique qui montrent l'emplacement du nid dans le mur. Petite vidéo pour vous sensibiliser sur le problème. Allez, à très bientôt.